frère, faut monter, on va partir. Hein? Faut monter. Faut monter, on va partir. Il n'y a aucun problème. C'est pas Benjamin, tu es parti? Doucement, tu allais me blesser. C'est quelle manière ça, malhonnête là? Eh mon frère, ouais. Pardon. Tu as eu peur ou bien? Ouais. En tout cas, ça va bien? Ouais, ça va toi. En tout cas, ouais, ça va, ça va. Et c'est quel nom déjà? Moi c'est Gwele. Gwele, hein? Ouais. Excuse-moi, hein? On se connaît pas, hein? Mais je suis dans une situation sacrifale. Je suis venu voir un ami. Et il m'a dit de venir. Je suis arrivé, je ne l'ai pas trouvé. Faut pas avoir peur. Non, il n'y a pas peur. Pas avoir peur. Je suis venu le trouver. Il n'est pas venu, il n'est pas là. Alors que je dois aller jusqu'à Port-Bouille. Vraiment, j'ai besoin de 1000 francs. Attends, moi-même, je viens de descendre. Il n'est même pas 5 francs sur moi, mais oui, je suis là. Non, pardon, fais une fois. Il n'a pas l'argent. Non, si il y avait l'argent, écoute, écoute, écoute-moi, écoute-moi. C'est quelqu'un qui est en difficulté. Oui. Vous le sauvez, pardon. Tonton, moi, il a toujours sauvé l'argent. Il dit qu'il n'est pas l'argent. Si il y avait l'argent, il allait te donner. Aïe, mais pourquoi tu veux sortir sans l'argent? C'est une obligation de sortir l'argent. Ah, c'est une obligation. Hey, mais Denis, il n'est pas l'argent. Oui, mais c'est pas normal, mon petit. Tu peux pas sortir sans l'argent. Attends, quoi? Mais monsieur, vous me demandez l'argent. Et où Dieu n'est pas d'argent? Oui, pas oui, mais à supposer que tu sors, tu sautes. Il y a une dame qui est en train de vendre ses œufs. Et puis qui te trébuche, tu fais tomber les œufs. Comment tu as fait pour vous rembourser? Il lui demande pardon. Ah, pardon, si va, elle va accepter. Oh, mon frère, Denis, il n'est pas l'argent. Comment, comment tu peux sortir sans l'argent? C'est quelle histoire ça? Mais il a dit des gens comme ça. Mais ce sont des testiculaires, ces personnes-là. Maman, maman, bonsoir. Bonsoir. Ça va un peu? Oui. Ouais, excuse-moi, j'ai mon fils qui est gravement malade. Ah bon? Oui, il est gravement malade. On est parti à l'hôpital, on dit, ils m'ont donné ordonnance. Donc je vais aller voir un frère qui doit me donner l'argent. Pour mon transport, ça ne vaut pas. Je dois aller qu'à Benjamin. Ok. Oui. Donnez-moi 2000 francs, madame. Pardon. Tu as 1000 francs là-bas? 1000 francs. Oui, je vais compléter pour te donner. Oui, vraiment un Dieu pour les pauvres. Hey, maman, vous êtes gentil d'être. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est pas toi qui viens de me croiser. Il y a même, ça vaut pas 3 heures du temps même. Moi? Tu dis que tu as problème de transport pour aller à Niamey ou bien je sais pas si c'est Benjamin. C'est pas moi. Hein? Au lieu de travailler, vous vous promenez pour escroquer les gens. Aïe, madame. Même si tu pousses bourrette, tu vas avoir l'argent. Ah, moi, c'est lui là, escroc. Madame, vous ne pouvez pas partir. Donnez-moi mes 1000 francs, madame. Si, il n'y a pas de travail dans le pays. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Rien fait, mais donnez-moi 1000 francs, madame. Faut pas m'insulter. Non, je t'insulte pas, mais tu as pris mes 1000 francs, madame. Je te donne pas. Faut faire ce que tu veux. Hein, moi, ça. Malhonnête là. Vous donnez 1000 francs, j'ai pu vous récupérer. Vous n'avez pas honte même. Une vieille comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Oui, jeune frère. Bonsoir, monsieur. Ça va? Oui. Alors... Excusez-moi, monsieur. Oui, oui. Vous savez, les grandes douleurs sont miettes, mais les grandes joies ne sont pas bavardes. Voilà, j'ai un souci. Je dois aller à Port-Bou. Voilà, mais j'ai besoin d'un peu d'argent pour faire le transport. Ah, vous n'avez pas de transport pour aller à Port-Bou? Voilà, vraiment. Mais ça tombe bien, je vais là-bas. Je vais vous déposer là-bas. Ah, avant? Ah bon? Oh, ouais. En fait, c'est vrai, je dois aller à Port-Bou, mais je dois passer à 13 8 d'abord. Je dois passer à 13. Vous êtes chanceux, hein, mon frère? Vous êtes très très chanceux. En fait, j'ai une course à faire à 13 villes. Rapidement, on va partir là où je vais partir. Donc, on va aller là-bas, on va aller vers 13 villes d'abord. Et puis, de là, on va converger là où je vais partir. Vous êtes beaucoup gentil, hein? Oh, oui, c'est comme mais ça. Mais je vous dis la vérité, oh, oui. C'est que je dois voir le directeur du Sénac. Vous voilà, faites dis le vert, je suis à jamais. Attends. Mais ça, c'est une coïncidence. Mais quelle chance! Mais vous êtes chanceux, mon frère. Comment ça? Ah, en fait, depuis, quand vous m'avez approché, j'ai tout de suite compris quelque chose. Vous avez la tête de quelqu'un qui est chanceux. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est moi qui suis le directeur de ce centre-là. Non, non, en fait, j'ai besoin de transport. Mais vous parlez où ça, le transport? Non, je viens parler de directeur. Tu veux te transformer, c'est le directeur qui veut voir. Bon, c'est un ami au directeur, quoi. C'est pas le directeur lui-même. D'accord, il n'y a pas de souci. Un ami au directeur. Il n'y a pas de souci. Hein? Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Mon frère! Oui. Non, c'est bien, c'est bien. Hey, hein? Il est trop gentil. Non, ouais, tu vas partir, hein? Okay, voilà, montez, on va partir. C'est pas Benjamin? Non, j'ai dit, je veux transport, monsieur. Mon frère, faut monter, on va partir. Hein? Faut monter. Faut monter, on va partir. Il n'y a aucun problème. C'est pas Benjamin, tu es parti? Doucement, tu allais me blesser. C'est quelle manière ça, malhonnête là? À cause de ce temps, vous allez me blesser. Toi, tu es malhonnête. À cause de 1000 francs, vous allez me blesser. Malhonnête. Si vous êtes malhonnête, on vous demande. Quelqu'un qui n'a rien, vous demande l'argent, vous ne voulez pas donner. Vous me poussez comme moi, je suis malhonnête. Oui, vous êtes malhonnête. Moi, je suis malhonnête. Pour combien de francs? Je sais pourquoi tu es parti à Benjamin. Il va aller te soigner là-bas. Pour combien de francs? Quel bolu! La vie est beau. Ferme-moi.